vous allez bien. Ici, Téléspect TV revient avec du Batman, avec Julien Jordan. On est super chaud puisque c'est une deuxième fois qu'on présente ce statut. Ouais. Première fois celle-là. Oui. Ben, franchement, elle est encore mieux. Alors, ouais. On va pas se mentir. Ben, moi, déjà, j'ai une Infinity sur les capes en tissu. En tissu, ouais. Beaucoup plus propre. Et puis, elle est hyper bien quand même. Vous n'êtes pas prêt sur ce qu'on va vous montrer. Ouais. Et. Pour faire le rappel, ceci est le Batman de Jim Lee qui servait du coup de croquis à la version du film. Ouais. Et bah, ils ont inclus Fabok. Fabok et Pattinson. Donc une statue qu'on a présentée en vidéo il y a déjà presque un an, je dirais plus ou moins, en version résine, grosse carte pour résine bien balèze. Version DX, donc des DX à trois têtes. Celle-ci c'est pareil, c'est la même DX, c'est la même statue, la seule différence, c'est la cape. Voilà. Et un an de différence avec la résine. Et je crois qu'il n'y a pas le hardprint dedans. Ouais, t'as raison, ouais. La hardprint n'est que dans la résine. Ce qui est cool. Voilà. Clairement ici on est sur une statue qui envoie du lourd. Alors nous, comme disait Jordan, on aime beaucoup les versions tissu, même si des fois la résine change tout, voilà. Mais on a des exemples réguliers dans le magasin. Il y a des team cap résine et tissu, mais le tissu apporte toujours quelque chose en plus, surtout s'il est câblé, ce qui est le cas. Parce que là vous avez pu voir, ben, c'est un simili cuir qui donne super bien. La statue du coup a déjà une prestance un peu plus fine et ça affine encore plus le Batman en question, qui est déjà en un tiers. Le bas est tout boueux, rappelle vraiment ce qu'on a pu voir dans le film, ou même, bah pas forcément l'arpène que Jimmy avait fait, parce qu'on pouvait pas retenir de détails, mais c'est cool qu'ils aient pensé à ça, parce qu'il y avait, mais beaucoup plus timide sur la résine, c'est ça, ouais. Et la résine, c'était une carte bouffante, donc elle était déjà bien posée, et prenait déjà beaucoup d'ampleur. La preuve, il y a des clients qui m'ont demandé d'annuler celle-là pour prendre une autre, parce qu'elle prenait trop d'espace. Et celle-ci, bah, elle permet de faire énormément de choses comme je vais être en train de le faire. Et blague ça à part, toute, pour une fois, le câblage il tient super bien. Parce que oui, les câblages sont bons. Je suis certain que tu peux, si tu veux. Bah, regarde. Et actuellement, c'est chiant pour le faire. Regarde comme ça. Ah, non, ouais. Les gens vont le voir d'abord parce que c'est bien que vous montrez, c'est comme vous les spectateurs. Et regarde. Et comme ça. Ça peut être. Parce que je pense qu'il y a même moyen. Bah, en fait, c'est rare qu'on sache le faire. Si on sait le faire, c'est que le câblage est arrivé. Ouais, tu vois, c'est un peu lourd. Il y a moyen. En jouant beaucoup. En pliant vraiment bien, il y a moyen vraiment de jouer bien avec. Et ça peut être le fait de pouvoir y aller, si tu peux. Voilà. Bonne nuit. Bah non, même comme ça, ça peut être à fond. Ouais. Il est super beau. Ouais. Franchement, c'est une grosse add-on. Je trouve que là, ça change vraiment tout à la statue. Et elle a une ambiance vachement différente. Elle a moins bif que la première. Donc, ceux qui aiment le côté bif, c'est tant mieux. Mais ça, elle est plus customisable. Et pareil, alors, on a fait. Non, les têtes sont de mon côté. Tiens, ouais. Ça, c'est celle de l'autre. Mais alors du coup, si vous voulez aussi un truc un peu plus fit, eh bien, vous pouvez vraiment mettre la cape derrière et vraiment avoir alors Batman avec la cape tournante. Et c'est pas mal parce que ça change tout. Ça prend moins place. Imagine, t'as tous des Batman qui sont beaucoup plus fit et puis tu as un gros Batman avec sa grosse cape, c'est casse bonbon. Alors que là, tu peux la customiser comme tu veux. Comme on vous avait dit, il y a trois têtes dans la statue. La première tête ici, c'est de Jimmy, donc c'est la reprint originale que vous avez devant vous, en statue en 3D. Ensuite, vous avez une deuxième tête, celle de Fabok, qu'on aime énormément, même si la tête Fabok est déjà vue milliard de fois. Le truc, c'est pour l'instant, on a mangé beaucoup de Fabok. Ouais. À l'époque, on avait mangé beaucoup de Jimmy, et ben maintenant, c'est redoré. Bah, moi, c'est ma préférée comme ça. Je trouve que la Fabok, enfin, même si c'est celle de Jimmy de base. Tu veux faire celle de Jimmy? Ouais? Ouais, Team Jimmy. Non, bah après, c'est super beau aussi. Ouais. Mais par contre, je trouve que les statues, puisqu'on l'a vu longtemps en résine, etc., je trouve qu'elle a un autre effet avec la capotition. Un autre aura. Hein. Ouais, déjà, tu vois mieux certains détails, je trouve. Ouais. Et du coup, oui, elle prend. Allez, ton regard a le temps de se poser dessus. Ouais. C'était tellement assez flou que tu as été là. C'était un peu trop. Elle est belle, mais. Il manque un truc, ouais. Et ensuite, la dernière tête, qui était celle tirée du hardprint de Jim Lee, mais pour le Pattinson. Vous avez une tête très comics ou interprétée de Pattinson. On n'est pas sur la Blitzway Prime 1. Alors, par contre, je ne sais pas ce que ça donne. Est-ce qu'elle donne bien? Maintenant qu'on a vu le Pattinson de Blitzway, c'est compliqué. Ah, j'aime bien quand même. En fait, ça va. Surtout qu'il est là au-dessus, en fait. On ne peut pas le rater, il est juste là au-dessus. Bah, franchement, ça va. Je trouve que ça rend bien le dessin de Jim Lee. Je veux dire, c'est bien interprété. Et encore une fois, elle est plus accurée à sa version Pattinson parce qu'avec la grosse cape en résine, un gros Batman, il paraissait plus bif, tu vois, plus Ben Affleck. Alors que là, avec sa cape en tissu, ça l'affine direct. Ouais, mais il reste bif. Ouais, non, mais normal, c'est quand même un gros Batman en entière. Donc, pour le reste du costume, magnifique. On vous rappelle qu'il y a des mains alternatives, des mains poids fermés, poids ouverts, etc., qui sont disponibles, qu'on n'a pas mis parce qu'on a fait la première review et que ça reste dans nos chemins. On n'a pas d'abîmer les pièces, c'est vraiment ennuyant pour nous parce qu'on déballe tout, donc forcément les pièces doivent être entreposées quelque part. Tout le costume en résine est magnifique. Battle Damage, costume accurate à sa version dessinée et presque du film avec quelques modifications, parce que c'est vraiment tel quel. C'est pas vraiment tel quel du film, il y a quelques modifications qu'ils ont fait pour l'adaptation. Et puis un tout gros socle avec une bonne grosse gargouille de ses morts. Je trouve celle-là, elle était toujours tellement parce qu'elle est grosse et balèze. Mais casable quand même. Tu vois, il y a des socles,
là, on va prendre celle du Death Knight qui est là-bas, là, le Death Metal, c'est beaucoup trop gros. Mais celle-là, je trouve qu'ils ont mixé parfaitement le travail de résine, etc. Et l'envergure est parfaite. Franchement, c'est parfait. Bonne info aussi pour vous. À la base, c'est 1950 euros. 1650. Moi, et elle est en promo à moins de 1000 euros. Bah, alors pourquoi ? C'est pas nous qui faisons. Enfin, si, on fait la promotion, mais le fournisseur en déstocke quelques-uns. Et comme on a des clients qui ont profité, bah, on s'est dit, bah, Genouet, fait de la review avec, parce que d'autres gens ont dit, je veux bien l'acheter si vous faites de la review. Ouais. Donc on a commandé à un client qui l'a commandé de la déballer, ce qui est le cas. On fait la review et puis après, bah, on lui vend. Et les autres gens, si vous la voulez, l'offre est limitée dans le stock du fournisseur. C'est pas ça, ça ne nous regarde pas. Nous, on n'a plus dispo, parce qu'on a vendu tous les stocks il y a un an. Elles sont sorties il y a un an. Et vous pouvez voir pour l'instant on fait des vieilles review Prime One parce que c'est ça qu'on n'a pas eu le temps de faire et qui sont en promo et ou en fin de vie. Et comme pour moi c'est des statues qui vont sortir qu'une seule fois, que ce soit l'Alita qu'on a montré, cette Batman là, la Pacific Rim, etc. Ben, il n'y aura pas de deuxième version dans 10 ans, c'est fini, on va passer à autre chose. Surtout que on sait très bien que la clientèle va changer, on va vieillir et les jeunes vont arriver, ils vont tous aimer, je sais pas quoi. Justin Bieber. Justin Bieber, les nouvelles, l'univers étendu de Justin Bieber dans le multivers. Et donc voilà, mais pour ma part... Alors déjà de base pour le prix normal c'était une très belle statue. Mais là pour le prix pour 950 balles c'est. C'est ouais c'est 20 sur 10, c'est parfait. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Si vous voyez que le site est sold out ou autre chose, vous contactez par mail ou par téléphone. On vous rappelle, toujours les cartes de crédit pour les Français beaucoup sont bloquées. On a eu un souci au niveau du site, etc. pour nous protéger. Mais vous passez la commande, on peut faire un virement bancaire, passer par PayPal, il n'y a aucun problème, on est quand même disponible. Vous passez la commande, vous téléphonez, on est super accessible. Et même quand les gens commandent qu'il y a un problème, on retéléphone pour être sûr. Parce qu'on perd quand même des ventes, c'est certes, enfin perd des ventes. On retarde des ventes, c'est chiant, mais c'est pour nous protéger et pour que le temps que l'enquête se fasse entre les cartes de crédit des clients qui ont fraudé et le site. C'est un mois de délai, donc ça prend un peu de temps. Mais c'est pour ça que vous faites toujours de la pub. Et regardez dans la rubrique promo, on a remis des promos super intéressantes actuellement. Et les nouvelles vont arriver au mois de juillet, puisque il y a pas mal de choses qui sont prévues. Il y a les soldes et tout ça. Ça va être cool. Donc voilà. Je veux dire encore une fois, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je vous remercie de votre confiance. Tous les jours, c'est un jour avec un nouveau challenge. Pourtant, on sait tous les deux, ça va faire la cinquième année que c'est compliqué. Mais dans les complications. Ouais, j'ai vu ton message. J'y trouve mon bonheur. Moi, je suis quand même content. Je suis content de ce qu'on a accompli. On va pas dire. Je suis super fier aussi de ce qu'on a accompli en tant que youtubeur. Parce qu'on reste des influenceurs de 10 000 personnes. Non, 10 153 personnes. C'est pas mal. On est vraiment petit. Mais grand à notre échelle, par notre cœur, on est super fiers. Moi j'adore faire ça avec Joe tous les jours, même si des fois on est crevé, là il fait pétant le chaud, je sais même pas comment on fait pour tenir debout. Et des fois il y a des reviews qu'on porte des statues, on n'en peut plus, mais c'est un plaisir. Moi à chaque fois j'aime bien le faire. Non, c'est cool. Et le débit qu'on garde, je sais même pas comment on arrive à le faire, j'ai jamais compris. Il y a un moment, je me dis, oh, on trouve le temps, on trouve quand même le temps. Donc c'est merveilleux pour vous et pour nous, donc c'est super cool. Si ça vous intéresse, allez sur le site, Joe. Vous pouvez appeler deux fois, si on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.